Le Stipler, Zatzal, c'était le père de Avraham Kanievski. C'est pas le Rav Israël Yaakov Kanievski, décédé il y a une trentaine d'années. C'était le grand de la génération. Quand c'est toute la Torah, un mot qu'il faisait, une bracha, une bénédiction il faisait, ça se réalisait. Le Ruach HaKodesh, vous voyez tout, phénoménal. Un jour, son petit-fils lui dit, grand-papa, je vais au Kotel. Son grand-papa lui dit, ok, prie pour moi. Le petit-fils a dit, papa, grand-papa, t'as besoin qu'on prie pour toi, hein, toi, t'es le pilier de la prière de la génération. C'est vrai, c'était un mot qu'il disait, ça se réalisait. La Sapeur lui a dit, mon cher ami, chaque prière aide. Si c'est pas cette semaine, ça sera la semaine prochaine. Sinon, dans un mois. Sinon, dans un an. Sinon, même dans 100 ans. Même toi qui prie pour moi, ça m'aide. Donc, va prier pour moi. Chers amis, si le Stipler a demandé à son petit-fils de prier pour lui, combien de monde doit prier pour nous-mêmes, pour Am Israël, pour les soldats, pour les otages, pour la venue de Mashiach qui se fasse maintenant, Berachamim, avec miséricorde. Il faut savoir qu'on a un poids, un impact très, très, très grand avec nos prières. On est les fils de Dieu et Dieu écoute nos prières.